Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance d'entraînement pour l'Urban Trail de la Fondation du Souffle à Montmartre et connecté. Alors on a toujours cet objectif de réaliser ce challenge des 10 000 km et de faire un maximum de kilomètres possible. Aujourd'hui je vais vous donner une méthode pour pouvoir engranger les kilomètres facilement sans s'épuiser. Mais avant toute chose on va commencer par l'échauffement. Alors on va commencer cet échauffement avec une série de gammes. La première chose c'est de courir en footing tranquillement pendant une dizaine de minutes et puis ensuite on va pouvoir enchaîner les gammes. Alors on va tout d'abord réveiller les articulations en commençant par faire des mouvements de cheville, puis on va enchaîner avec un petit mouvement des genoux tranquillement en souplesse. Ensuite on monte au niveau des articulations pour le bassin, on va faire des mouvement de rotation du bassin. Les bras aussi, on va faire échauffement des bras. Et puis enfin, on va terminer avec quelques mouvements de rotation de la tête. Ensuite, on repart tranquillement en mode footing et on va enchaîner quelques talons-fesses pendant 10 à 20 secondes. Puis on enchaîne avec des montées de genoux. On essaye de trouver un peu de vitesse. Après tranquillement on va faire quelques pas chassés. Alors on peut faire 2 à droite, 2 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche. Allez, ensuite pour faire monter un peu le cardio, on va faire des petits pas rapides sur place pendant 10 à 20 secondes. Et puis enfin on va terminer avec quelques accélérations en ligne droite. Vous voilà échauffé, on peut donc passer maintenant à la séance. Maintenant que l'échauffement est réalisé, on va pouvoir partir sur une méthode qui permet de courir longtemps. Alors cette méthode, elle s'appelle la méthode Cyrano. Donc c'est assez facile à retenir et vous allez voir, elle est assez simple à appliquer à partir du moment où on s'y tient dès le départ. Pour certains d'entre vous, il n'est pas forcément évident de courir en discutant avec les gens qui nous accompagnent ou en fermant la bouche. Heureusement, il y a cette méthode, la méthode Cyrano, qui va vous aider. Alors cette méthode Cyrano, elle consiste à courir lentement, hein, toujours, on n'est pas là pour courir super vite, et d'interposer en fait des phases de marche. Alors cette phase de marche va permettre au corps de récupérer avant de relancer la machine et de courir. Alors marcher n'est pas tricher, hein, contrairement à ce que certains coureurs peuvent dire. Sachez qu'il y a de nombreux coureurs qui utilisent cette méthode Cyrano pour courir un semi-marathon, un marathon, voire un 100 km, puisque l'objectif consiste tout simplement à aller jusqu'au bout et de ne pas abandonner. Alors pour appliquer cette méthode Cyrano, il faut s'y tenir dès le départ. On va commencer par exemple à courir 10 minutes, puis marcher pendant 5 minutes. Enfin, tout dépend de son niveau, on peut très bien aussi faire 12 minutes de course et 3 minutes de marche, ou raccourcir ces phases de course pour les équilibrer en faisant 5 minutes de course, 5 minutes de marche. Bref, cette méthode Cyrano, elle est facilement adaptable au niveau de chacun, donc n'hésitez pas. Et puis le but, hein, c'est vraiment d'augmenter la distance parcourue. Donc pensez à le faire dès le départ. N'attendez pas une demi-heure d'être à bout de souffle pour commencer à l'appliquer. Appliquez-la dès que vous commencez à courir. Maintenant que vous savez pratiquement courir à l'infini, n'hésitez pas à partager votre séance sur les réseaux sociaux avec le hashtag UTBM 2021. Et puis bon courage pour le challenge des 10 000 km et à très bientôt.